Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Eh bien, Jean-Saténa, tant que les Haïtiens ont commencé à débarquer par bon ici aux États-Unis, et fois ça, ils ont pas qu'un bébé sur la mer, ils ont arrivé. Ils ont arrivé et parti contre good. Il y a 25 là qui débarqué dans Fort Pierce, jeudi qui s'est passé là. Et maintenant, ça vous comprendre dans causer ça, c'est que ces derniers jours, nous parlons de 25 qui sont tombés là dans votre piste jeudi, et mais gagné plusieurs lots qui dans semaine et bon celle plusieurs lots et puis fort dans monde ça, c'est toujours dans Floride qui et nous songer côté les gagné pas 300 qui était débarqué dans mois dernier. On dit Florida qui est vini destination de ça nous capable dire plus large exodus à la fois de cubains tout et des haïtiens et ça était qu'on a habitué fait mais ces derniers jours là bagaille redémarré. Nous on t'ai parlé déjà des plans les États-Unis gagnent en fait ils fait plan pour Cuba tout n'a pas rappelé négocier avec Cuba pour Cuba accepter mon déporter et n'a pas rappelé que il a préparé Guantanamo pour Haïti, mais écoute, dans cas ça, c'est un cas où on ne va pas parler de Guantanamo pour eux parce que puis ils vont à terre. Ça veut dire, les pieds monte touché terre, c'est le système judiciaire là. Et nous tout connaissons les bouts du système judiciaire pour petit monte là pour 4 à 5 ans. Et Border Patrol sorti une déclaration à travers Twitter qui parlait de et débarquement haïtien ça au dans Fort Pierce, il dit que il a fait investigation sur ça. Mardi qui s'est passé là et gagné des smugglers, des monde qui fait business ça, il y a smugglers, il était abandonné 12 monde qui sorti dans pays d'Haïti, mais c'était un island tout près Porto Rico dans qui relait Mona et Coast et US Coast Guard était arrivé pour te moun sa au secours et donc mais fond du tout et Coast Guard yo te fait un face à face avec des séries de groupe moun sa ou même c'est pas mené moun illégal yo te sous cause de drogue yo tiré normalement sous bord sous custom border protection yo. Et gagne deux qui mouri, gagne un qui blessé, ça va être chargé ça et c'est toujours jeudi ça passé, mais ça c'est d'autres groupes yo même qui nan cause drogue qui parle by vague et qui tire sur agent et gagne un qui blessé qui était dans l'hôpital et hier soir et au total gagne 55 cubains qui arrivaient dans Floride qui et pour mercredi a donc sont causés cubains avec haïtiens qui a fait actualité dans et migrants qui a sauvé quitté pays pour débarquer par bord ici aux États-Unis et il faut comprendre que et pas gain discours pas gain argument et on va le bail pour empêcher moun yo prendre route ça puisque côté a quitté a côté a quitté a parler de pays d'Haïti et yo parle la vie et yo parle la vie donc en ce sens pas rien bon ce qui bali même c'est surtout grand goût misère mais pays d'Haïti c'est vrai qu'il y a la fin mais insécurité à tout vient créer une situation et vraiment et catastrophique. Il faut dire que pour qui ba mardi là il n'est pas 150 qui te vidéo pendant instant. Donc en pile cubain, c'est vrai que il y a ici mais il y a en pile cubain dans causer ça. Et maintenant on dit nous parler de 25 haïtiens qui arrivé débarqué dans Fort Pierce, mais fort souvent ils pas arrivé non. Ils pas arrivé aussi fréquent que Cuba non. Parce que ils parlé près de 7000 haïtiens qui ont stoppé en route et qui ont prend sous la mer. OK donc quand on a après technique yo pas plein avec un pile monde 300 pour kembe yo gen doit prendre 25 monde parfois yo kon mete yo dans des séries de petits bateaux qui semble avec bateau touristes yo rive en small group et dit yo rend en fait pour haïtien yo ne compte c'est voyez 10 pour 25 monde et au lieu que ces bateaux à bois ben des bateaux tant que bateau touristes
Donc c'est comme ça et yo fait li. Donc voilà. C'est comme ça causé ailleurs. Donc ça a montré une fois de plus que et les États-Unis gagnent mais font dire que 25 migrants haïtiens ça étaient complètement déshydratés. Complètement déshydratés, ils n'ont pas de joindre manger. OK? Mais il y a actuellement et dans main agent fédéral et bateau ça justement dans Fort Peace et dans main l'état dans moment et donc m'a connait si c'est Texas si t'as gretan parler de invasion de invasion et en fait forme du grand pile monde cap critiquer situation ça donc raison de plus il va falloir que à un certain moment de la durée que yo fait un bagage parce que autrement haïtien justement pas ca bloquer quel que soit sort dio quel que soit ou montrer image monde qui mourir déjà et ça pas suffit pour convaincre yo, puisque yo même et lorsque il a déplacé il a fait route ça il faut comprendre c'est une bataille pour la vie pas gagner la vie du tout donc parce que mouvement ça a servi de vraiment pression et sur les États-Unis pour le comprendre que et effectivement il gagne pour lui agir il pas qu'à en fait gens la PCF là et compter sous des intermédiaires tant qu'au CARICOM, tant qu'au Canada, à un certain moment de la durée, il va falloir que l'I agit pour permettre que la sécurité capable de retourner dans le pays d'Haïti. Autrement, et pendant pour longtemps, l'a gagné pour le deal avec problème ça. Faut nous dire, t'es gagné et mon nom dans plusieurs âges gagné là-dedans, yo. Qui des trois mineurs et qui ont trois mineurs là-dedans qui t'a entre 12 à 17 ans et donc c'est pas seulement grand monde mais ça qui est clair c'est que yo en custody très certainement yo pral gagner pour envoyer dossier yo by immigration court capable faire suivi donc voilà guys nous te voulais partager update ça avec vous sur situation haïtien cap fait cap prend route pour l'envers.